C'est parti, suite et fin de cette première journée dans le groupe D de ce 22e mondial féminin organisé au Danemark. Et match absolument passionnant, intéressant sur le papier entre la Norvège, championne d'Europe en titre, vainqueur des derniers Jeux Olympiques, déjà qualifiée pour les prochains JO face à une équipe de Russie en reconstruction. Mais méfiance, cette équipe, notamment illustrée par la performance de Rostov en Ligue des Champions, est capable de belles prouesses. On va suivre tout de suite et bien la Russie qui vient de donner le coup d'envoi. Ouais, par Bliznova qui est venue jouer en duel en face de Stine Oftedal. Défense centrale très très sérieuse, passage en force. Ouais, c'est bien défendu, c'est bien provoqué. Et on va jouer vite. Ouais, ça va très vite sur la montée de balle. C'est splendide. Que vient de faire Oftedal, bien évidemment. La Norvège oui. Va s'appuyer sur ce grand principe de jeu scandinave. Une énorme défense. Et derrière, regardez derrière comment ça percute. Et comment la joueuse de Paris vient de trouver une très belle solution. Et après une bonne défense et une bonne montée de balle. 1-0 pour la Norvège. Norvège avec en numéro 3, Christiansen et Marie Molid, la joueuse de Larvik. Ouais, ça s'est bien combiné. Également côté russe avec Kuznetsova qui est venu jouer un contre un dans le secteur central. Ouais, ça s'est un peu délité dans la défense scandinave, un partout. Allez, Norvégienne qui se mettent en place pour leur première attaque placée sur la base arrière. Donc on a Oftedal à la main, Nora Mork. Christiansen également. Et Camilla RM à l'aile gauche. De Midtjylland. Et en face, il me semble reconnaître Kurtovic. Tout à fait. Allez, Mork vers l'extérieur. Qui s'appuie sur son ailière. La rentrée en deuxième pivot de Camilla RM. Oftedal. Alors bien joué la transmission. Nora Mork, c'est magnifique. Quelle passe éclair, lumineuse pour, et bien sûr, Heidi Loke et sa plaie à Tori Ergasol. La réponse peut-être des Russes. Bonne défense. Dmitrieva qui occupe le poste de demi-centre. Ouais, préféré à Elina pour débuter. Bliznova, Vakireva. Le jet de 7 mètres. Elle est toute seule, le 1 contre 1. Extérieur, ouais, elle est battue complètement. Camilla RM. Ah, ce qu'il faut noter. C'est vraiment que les deux équipes rentrent plein fer dans ce match. Il n'y a aucun temps d'attente. Ça percute directement dans toutes les phases de jeu. Allez, le duel. Vakireva. Face à Grimsbo. Oh, impeccable. Égalisation russe de partout. Alors on a vu que les Russes, elles partaient sur un système qui était relativement haut. Ça semble être une défense étagée, mais la caractère, regardez comme ça grimpe très haut. Il y a un couloir important derrière. On a vu Camilla RM essayer de le prendre tout à l'heure, mais ça vient vite se réaligner dans le deuxième temps d'attaque de la Norvège. Un coup de siffle des arbitres hongrois. Ça s'est musclé au poste de pivot avec Heidi Loke. La joueuse de Dior, le décalage est fait, c'est bien orchestré. Ouais, l'arrêt. C'est face à Camilla RM, c'est Loikina, la joueuse de Rostov. Le ballon sera conservé par les Norvégiennes. Il faut déjà calmer la Mitre Filov. Très remuant devant son banc. Mitrieva Sen, Makeva pardon, en secteur 3. Oftedal avec l'entrée à l'opposé en deuxième pivot. La grosse défense, c'est solide, on en parlait en ouverture de programme. Mork qui s'isole un peu vers l'extérieur, elle trouve encore sa pivot. Ah, quelle passe encore. Ah, mais c'est sûr que sur cette défense-là, Heidi Loke va avoir un rôle très important à jouer. Alors la défense russe, elle est très intéressante parce que dans le premier temps d'attaque des Norvégiennes, elle monte haut et elle vient se restructurer ensuite, se regrouper. Allez, encore Oftedal qui a trouvé une solution. Ouais, oh, c'est dommage. Ouais, non, on ne laisse pas l'avantage côté des arbitres hongrois. Marché. Il revient une première faute. Ouais, c'est plutôt sévère. Il ne semblait pas y avoir de marché. Christiansen, mort. Ouais, mort. Oh là là. Allez, elle était en zone. Elle était en zone avec Heidi Loke, mais ouais, pour la troisième fois, on a vu une passe sublime de Nora Mork. Attention. Au jeu rapide des Russes. Finalement, ça s'est bien replacé avec la grosse défense. Encore. Allez, on pose le jeu. Qui va calmer. Replacer
son pivot. Très bonne gestion des rythmes par l'équipe russe. Vous avez vu, on pousse loin, il n'y a pas de solution. On pose le jeu, on vient à attaquer. Un peu plus en attaque placée. Kuznova. Ouais, avec l'arrêt de Grimsbo sur cette tentative de Dmitrieva. Regardez le Gior. Ça fait du 32 jeux, deux partout. Allez, encore cette défense russe très haute dans un premier temps. Mork, Oftedal, l'entrée à l'opposé, le cabinet RM. La tentative, ouais, c'est bien fait. Comme conclusion, coin long au sol. Christiansen. La joueuse de Midtjylland. Kuznova, oui, cherchait son pivot, ballon perdu, attention à la relance, ça va très vite avec RM qui peut récupérer à la limite d'être en zone. Elles vont garder la balle. Ouais, elle s'est bien battue, Camina RM. Ah ben Camilla RM, ça fait partie des flèches qui vont venir percuter en permanence au jeu de contre-attaque. Cette équipe de Russie. Et là, beaucoup de lucidité, elle a gardé le ballon. Oh là là, la puissance d'Oftedal. Elle a trouvé le poteau, malheureusement. Ça peut permettre, pardon Dominique, à la Russie de recoller. Ouais, beaucoup de variété dans le jeu norvégien. Jeu d'attaque très très bien en place. On alterne le jeu autour, on rentre à deux à l'intérieur. Ouais, oh, la défense. Une grosse défense. Ouais, c'est musclé. Ouais, ça sera à 9 mètres. Logique. Bobrovnikova là, qui est venue percuter, enfin, s'empêtrer sur la défense. Ouais. Et il faut dire que Marie Molide, elle n'est pas sortie pour rien. On tire par en dessous, deuxième arrêt pour Grimsbo, vigilante. Et la relance directe. Oh, c'était énorme. C'était un régal. Hein, le dosage et également ce ballon récupéré à une main. Ah, le tir dans la foulée d'Heidi Loke. Ouais, Grimsbo, encore le troisième arrêt. Attention à ne pas la faire trop briller. La gardienne de Gior. On aimerait revoir cette relance directe et la réception. Magnifique, Heidi Loke. On a failli assister à un but. Anthologie. Ah, le décalage, ouais, la fermeture en zone et jet 7 mètres logique. Ce sera le deuxième pour les Russes. Ouais, c'est Kuznetsova qui est allé chercher son jet 7 mètres. A noter le changement aussi de pivot. Makeva est sorti. Et Silinskaïté, d'Astrakhan, qui est rentré à sa place. Allez, on change de gardienne sur le jet de 7 mètres, l'entrée de Solberg. Solberg qui avait été excellent lors du dernier Euro. Elle ne peut rien faire, prise même à contre-pied. Vakireva, elle a une technique, cette joueuse-là. Elle est extraordinaire. Elle joue à Astrakhan, elle a joué longtemps au Zvezda. Et c'est une joueuse qui est capable de jouer à l'aile. Elle tire très bien les pénalties, elle défend au numéro 2 et elle est capable de jouer sur la base arrière. Vraiment une arme très précieuse sur ce poste-là pour Trefilov. Et deuxième jet de 7 mètres converti. Égalisation en russe, 3 partout. Christiansen avec Oftedal. Ah, c'est bien fermé. Ah, le décalage est fait, le ramorque. Ah, c'est bien joué pour Kurtovic pour son premier tir. 4-3 pour les Norvégiennes. Un petit peu de retard là sur une sortie inversée en défense de la part des Russes. Ah, ils sont là les supporters norvégiens. On a lu dans la presse, Benjamin, qu'il y a eu une tempête un peu dans le nord du Danemark, mais ils ont réussi quand même à traverser la mer pour venir rejoindre leurs joueuses favorites. Ouais, c'est bien défendu, on a coupé la transmission pour le pivot. Avec la montée de balle, elle va aller jusqu'au bout. Et Heidi Loke, et le break pour la Norvège, 5-3. Bah, cette association défensive entre Marie Molide et Véronica Christiansen est tout à fait performante.
10 minutes de jeu. Allez, on retrouve Bobrovnikova. Ouais, c'est bien défendu avec Molit qui est sorti de l'alignement. Ouais, il y a un bon décalage. Oh, et la lucarne, sublime cette conclusion. Toujours par la même chose, hein. La Kireva toujours présente. Là, un petit peu de retard sur la faute dans le secteur central de la part des Norvégiennes. Et un petit peu à l'image de l'action précédente de la Norvège sur l'attaque russe, on a trouvé une solution sur le côté. Un beau croisé. Un croisé, encore on trouve une solution, mais cette fois elle est repoussée. Heidi Loke. Ouais, très peu d'espace. Oftedal. Ouais, le croisé Mork. Avec Mork. La longue course de Mork qui va chercher son autre arrière. Ouf. Elle est passée avec une grosse minutes, faute. Oui. Minutes. Ils vont en sévir, les arbitres hongrois. Elle était passée, Christiansen. Ben, elle a fait cette grande course intérieure et on a vu cette joueuse de grand gabarit. Je crois que c'est Dimitrieva pardon, qui est sortie. Voilà. Et on fait une faute au niveau du visage et immédiatement sanctionné par une exclusion de 2 minutes. Ouais, rien à dire, c'est logique. Là, voyons comment les Norvégiennes vont exploiter cette phase en supériorité. Ouais, c'est bien fait. Christiansen, la passe sautée, pas de décalage pour RM. Il y avait une belle passe diagonale. Elles sont vigilantes. Une de moins, pour l'instant les Russes elles tiennent bien le coup. Mork. Ouais, là ça. Ah, le coup d'œil, elle n'a pas osé, Kurtovic. Mork. Ouais, ça défend bien. Non, mais Mork a vu la passe en diagonale là, sur son délière. Les ailières norvégiennes sont au point de corner. Il y a des solutions dans le dos de la défense sur ces passes-là. Et encore la défense qui joue bien le coup et qui résiste. À l'image de Kuznetsova. Ouais, qui est très bien sorti sur Nora Mork en finalement en oubliant un peu Kurtovic, mais avec cette faute, de toute façon, les Norvégiens ne pouvaient pas donner la balle à l'air. Oftedal. Voilà. Oh, bien joué. Elle avait anticipé. Oh, c'est mal tiré de la part de Kurtovic. Pas ce qu'elle a voulu tenter, mais en tout cas, c'est le qui là s'est imposé assez tranquillement. Un mauvais geste pour l'instant de cette supériorité numérique. Oftedal. Mork à 9 mètres, voilà. Le talent de Nora Mork. À la mitraillette Nora Mork à 9 mètres. Ouais, l'actuelle 3ème meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Non, pardon, 3ème meilleure buteuse la saison dernière. La saison dernière, tout à fait. Et la meilleure buteuse en ce moment, c'est une certaine Alison Pino. Donc, salut. L'équipe de France s'est imposée assez nettement lors de son premier match face à l'Allemagne. 30 à 20. C'est bien défendu en secteur central. Le croisé. Allez, retour de Makeva. De Kinnuskaité à l'intérieur. Oh, Ilina qui tente sa chance, c'est contré. Et encore Gamesbo vigilante sur son deuxième poteau, mais elle avait été accrochée. Blisnova, ce sera un 9 mètres. Et le bras est levé. Par en dessous, elle Grimsbo. Se régale. Hein. Elle adore ses tirs en appui. Grimsbo, oh, ça va, ça déplaît bien sûr. Evgeny Trefilov. Oh, il est calme encore. Ouais. Il peut faire bien pire. Ah oui, ça. Il peut vite sortir de ses gonds, ça c'est certain. Dans la défense norvégienne qui tient bien et qui a finalement pas trop mal géré cette phase en supériorité en gagnant 1-0 sur la période. Cette scène, croisé Oftedal avec Mork. Christiansen encore qui a vu l'intervalle, ça s'est ouvert. Encore heureusement. Une belle parade. Ouais, Loïc qui a été présente. Attention quand même à ces occasions gâchées. Le décalage est fait. Oh, c'est très bien magnifique. Fait. Sublime la conclusion de Kuznetsova. Et la Russie revient à une longueur. On est bienvenu exploiter du côté russe cette sortie, je dirais, un peu audacieuse d'Oftedal sur l'ampli défensif pour venir pousser dans l'intervalle extérieur.
et décaler Kuznetsova. Toujours cette défense très haute dans un premier temps. Mort. Oftedal en 1 contre 1, le passage de bras. Ah, c'est ouais, bien fait. C'est beau. Le régal, le passage de bras et ensuite elle résiste au retour, stylé Oftedal. Allez, t'as été attaqué plein fer, les grands gabarits du secteur central. Ouais, c'est Makeva là qui s'est fait châtier. Là, c'est sûr que si on ne ferme pas les espaces face à cette joueuse. Allez, Ilina, Liznova. Ilina encore, le croisé. Ça défend bien. Bobrovnikova qui est chassée. Oh, bien joué le tir. Point long, croisé qui ne laisse aucune chance à. Akopian, c'est Akopian. Ouais, Akopian, pardon. Qui a remplacé Bobrovnikova. Gremisbo battu cette fois. Ouais, elles ont perdu une joueuse très importante, les Russes, pendant la Mobile Ringen Cup qui s'est passée la semaine dernière. Garanina, qui s'est blessée au tendon d'Achille. Elle a été remplacée par Atkova. Exactement. Katerina Atkova. En quelle lutte pour récupérer le ballon, la perte de balle. Très bien joué défensivement. Et attention, la récupération, la montée de balle, c'est une possession pour égaliser. On a dépassé le premier quart d'heure déjà. Oh, magnifique! Encore, elle ne peut rien, Grimsbo. Égalisation, 7 partout. Ouais, c'est Dmitrieva qui arrive en second rideau après très très bonne fixation d'Akopian. Regardez, voilà qui vient fixer deux défenseurs. Ouais. Ça joue très très bien côté russe. Je suis très séduit par les défenses russes. Voilà, qui montrent beaucoup d'intentions individuelles, mais très bien articulées les unes aux autres. Ah, il y a une solution, ouais, heureusement. C'est passé de la part de Christiansen également, hein, qui apporte sa contribution en attaque. Deux buts. Elles ne referment pas assez vite les Russes, mais ça devrait pouvoir payer dans le temps. 8-7 pour la Norvège. Copion. Oh, le voilà, elle a fait la différence. Là. Quelle entrée tonitruante. Deux buts déjà en moins d'une minute. Ouais, face à Eddie Locke en plus. Donc c'est pas. Regardez là. Frein intérieur. Eddie Locke qui demande à Marie Molik de venir fermer. Une nouvelle égalisation. Entre dalle, en contre un encore. Elle est passée une fois mais pas deux. Elle abuse un petit peu de son 1 contre 1 à l'opposé de son bras, son 1 contre 1 extérieur. Makeva a du travail. Ah, complètement. Allez, l'entrée de Kurtovic à l'opposé, Laura Bork. Ouais, qui a trouvé, regardez comment elle s'est retournée aussi. Sur la joueuse de Bior. Et ce sera un jet de 7 mètres. Et deux balles à une main. Akopian est en retard dans ces cas-là. Benjamin, une seule solution, c'est tenter de couper la ligne de passe. Parce que sinon, c'est jet de 7 mètres dans le meilleur des cas et dans le pire avec une exclusion temporaire. Là, Copion a évité l'exclusion temporaire. Allez, on retrouve. C'est Nora Mork qui va tirer ce jet de 7 mètres. Oh, de la réussite. La réussite pour la gauchère, elle était dessus. C'est Loïc Kina. Deuxième but, le premier à 7 mètres pour Nora Mork. Ouais, c'était celui d'Ikina qui a signé cette année à Rostov après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Champions la saison passée avec le club de Sinara, Dynamo Sinara. Une sacrée saison pour Rostov. Seule équipe à avoir gagné tous ses matchs en Ligue des Champions. 6 victoires en 6 matchs dans le groupe A. Et 4 points devant l'Arvik. Excusez du peu. Oh là là. Ouais, avec un contact très très haut. Et c'est Eddie Locke, il me semble, qui va être sanctionné. Ouais. C'est surprenant, hein. Ça fait deux erreurs consécutives pour Eddie Locke en défense face à Akopian. Souvenez-vous, elle s'est fait prendre à l'intérieur l'action précédente. Et là, elle sort, elle fait une grosse faute. Et exclusion temporaire de 2 minutes. C'est la première pour les Norvégiennes. Alors que Dmitrieva en face avait été exclu temporairement. Irina Visnova avec Akopian. C'est bien défendu, solide. Ouais, Kuznetsova un petit peu oublié la balle sur son aile. Oh, la différence encore sur le 1 contre 1. Énormément de qualité individuelle. Hein, de duel, de duel. Ouais, ouais, très ouais. Très fort dans les duels. Ouais, c'est Stine Oftedal là, ouais. qui est battu. Battu par Visnova. Allez, possibilité d'égaliser. Troisième jet de 7 mètres pour les Russes.
Ouais, impeccable. Super facile, elle est super facile. Avec, à chaque fois, les impacts différents, elle a une fan couche terrible, terrible. On peut saluer la rentrée, on la voit de dos, la Pernille Vimeux, l'autre parisienne. Hey, changement de garde, non, Chasuble. Ouais, Grimsbo sur le banc. Molide, pour le Norvégienne qui est rentrée. Ouais. La voici au poste d'arrière gauche. Et la Chasuble, elle est portée par Nora Bork. La voici. Molide. Avec Sile Oftedal. Il s'appuie sur son ailière. Kurtovic. Bah, c'est compliqué d'enchaîner là, de ce côté-là, quand on est droitier. Gros combat de Pernille Vimeux à l'intérieur de la défense russe. Dans un style un petit peu différent. Beaucoup moins de glissement que Loke. Ouais, c'est contré, solide cette défense et derrière la vigilance, mais c'est une récupération en deuxième temps de Kurtovic. Et jet 7 mètres, une nouvelle fois, énormément de jet 7 mètres. Bah, y a énormément de pression défensive, donc naturellement les jet 7 mètres font partie du jeu. Benjamin, et c'est normal qu'il y ait autant de jet 7 mètres parce que cette partie est sous haute pression défensive depuis le début. Allez. De gardienne, on va retrouver Hirokina. La gardienne du Lada. Face à Nora Bork, toujours. Ouais, impeccable, sans feinte. 2 sur 2 à 7 mètres pour Nora Bork. Plus 1 pour la Norvège, 10 à 9. Moins de 10 minutes encore dans cette première période, extrêmement disputée. Il n'y a pas eu plus de 2 buts d'écart pour l'instant. Alors qu'on vient de faire entrer Anasen au poste de pivot. Copiant, Lina. Ouais, ça a été légèrement détourné. Elles ont du mal avec la fixation secteur central. Voilà, on s'est vraiment jeté à deux sur la même joueuse. Qui a libéré un espace. Pour le 1 contre 1 terrible de Nora Bork. Ouais, elle cherchait encore Heidi Loke. La défense veille au grain, allez, moins de 9 minutes encore à jouer. Oftedal. Avec Molide. Et avec Combine, on retrouve RM. Nora Bork. Ouais, perte de balle des Norvégiennes. Et les Russes ont la possibilité pour la première fois de prendre les devants. Vous avez cette équipe de Norvège en attaque, elles ont quand même. Alors tout est relatif, hein, Benjamin, un point faible, c'est ce poste d'arrière gauche. Parce que ni Marie Molide ni Christiansen ne sont vraiment des joueuses à la hauteur de Nora Bork. Et ça crée un petit déséquilibre en attaque dans le jeu norvégien. Lina. Avec un copiant. Et Lina qui tente sa chance, heureusement. Grimsbo était parti du bon côté. Les joueuses russes doivent mettre beaucoup de pression sur la défense norvégienne, sur leur base arrière. C'est solide. 6 arrêts à 38% pour Grimsbo. Lina. Ah, Lina, oh là, la force là, d'Ilina, quel shoot sublime. La force d'Ilina, mais après un gros travail de préparation de cette équipe russe, avec une succession de duels, on libère sa balle dans le bon tempo pour finalement décaler légèrement la défense norvégienne et venir trouver une excellente solution par Ilina. Et pour la première fois, et donc la Russie est devant, et le temps mort de Tori Gerson. Du ska tackles på de bevegelsene. Vi trenger ikke å gå ut på henne når hun går den veien. Hun skal tackles der. Det som skjer litt nå, det en standard greie. Det 20 centimeter og 30 centimeter her og der, så blir det for lang avstand mellom treene. Vi skal gjøre det så kompakt at vi slipper oss fram. Ouais, bah sur le temps mort des Gerson, c'est un petit peu ce qu'on disait, hein. Les problèmes de numéro 3 du côté de la Norvège qui anticipe un petit peu trop et qui sort pas assez sur Ilina. Les deux joueuses numéro 3 sortent sur le même jeu, sur la grande course intérieure de. Alors là c'était Bobrovnikova, mais il faut arriver à régler, à mieux se répartir pour ne pas avoir cette situation de décalage. Du côté droit de l'équipe russe. Vous maniez à merveille le Danois, bravo. Non mais j'ai surtout regardé son petit schéma, très modestement. Eh oui, le talent du technicien, voilà. Allez, il reste un peu moins d'une minute encore. Et pour la première fois, la Norvège est menée, on retrouve Oftedal.
Avec Laura Morque. Porte dalle, qui aura pu décaler. Elle passage en force. Elle a oublié son élire, la joueuse d'ici Paris. Et attention, il y a encore une solution. Le bon décalage. Oh, elle n'a pas bougé. Incroyable le ballon qui est resté bloqué. Chernovalenko tire improbable. Hein. Franchement, la joueuse du Varna, elle est allée planter le ballon dans les chaussettes de Greensbeu. Il reste incroyablement calme pour l'instant, l'ami Krefilov, alors qu'il aurait pu, par le passé, sur ce genre de shoot, piquer une colère. On en reparlera de son management, il va être obligé de faire évoluer les choses également. Encore un passage en force, le deuxième. Eh oui, vous parliez de ce côté gauche, hein, ce poste d'arrière gauche. Ça peut faire défaut, c'est la zone d'ombre, le point faible de cette équipe. Ouais, c'est bien monté, très très bien de la part de Marie Molide sur Anna Sen, qu'on fait jouer à l'intérieur. C'est une joueuse polyvalente, elle joue à Aiguilleur la saison passée à Rostov cette année. C'est une joueuse de base arrière, elle joue partout derrière, arrière gauche, arrière droite, elle en la retrouve pivot, parce que cette équipe de Russie a elle aussi un point faible, c'est ce poste de pivot. Et quand on sait l'importance du jeu du pivot dans le handball moderne, ça peut être pénalisant. Sinovic encore à jouer dans cette première période, Ilina avec Lisnova. Ah oui. Relevé, oui. Refus de jeu. Et ballon rendu aux Scandinaves. Allez, qui vont se projeter vite vers l'avant avec Oftedal. Ah, bien joué, elle était lancée, le réflexe. Il n'a pas été détourné ce ballon. Christiansen, parce qu'il y a eu une anticipation, la défensive de la part des Russes, qui aurait pu coûter très cher. Mais Christiansen s'est un peu précipité. Voilà, on parlait de cette petite déficience à ce poste-là sur la base arrière, un peu précipité. Il y avait une solution, il y avait beaucoup mieux à faire sur cette prise de risque russe en défense. Ça fait un moment qu'elle ne marque plus, les Norvégiennes, plus de 5 minutes. Ilina. Ah, le décalage, la fermeture en zone. Ouais. Nouveau jet de 7 mètres en faveur des Russes. 19 à parfait. Là, ce qui est très intéressant, Benjamin, c'est la maîtrise du rythme de l'attaque. Elles sont allées finalement tout doucement. C'est Vakireva qui est venue à l'intérieur jouer à deux à l'heure. Et sur sa passe, elle a accéléré. Et une succession de duels derrière ont amené ce décalage à l'aile. C'est très très bien fait. C'est du handball très propre. Et double sanction. 2 minutes, on a vu pour Sana Solberg. Et là, c'est sa sœur qui est rentrée, ouais, exactement, à la place de Grimsbo. On va retrouver Vakireva une nouvelle fois. Elle est restée sur sa ligne. Solberg, ça n'a pas payé. 4 sur 4, impeccable. La joueuse d'Astrakhan. Ah, j'adore cette joueuse. On va la saluer d'ailleurs, Katia Andriushina, qui a joué avec elle à Zvezda. Elle m'en a dit le plus grand bien. C'est une joueuse qui est une très grande technicité. Elle est très bonne dans tous les sports, entre parenthèses. Et malgré sa relative petite taille, regardez, elle défend en poste 2 là, elle est remarquable. Allez, attention à l'écart qui se pose doucement. Plus 2 pour les Russes. Et pas de solution, une nouvelle perte de balle. Vraiment, on tergiverse, il n'y a plus de lit en attaque. Pour les raisons qu'on a expliquées, ça tourne beaucoup autour. Et Stine Oftedal marque un petit peu le pas également. Alors dans les taulières norvégiennes qui ont disparu, il faut parler de Caroline Brevang, hein, qui a pris sa retraite et qui était une joueuse déterminante. Attention, elle n'a pas sauté, c'est bien joué. Quelle conclusion dans la lucarne. Vraiment, c'est sublime ce que propose la Russie. Plus 3. Et en termes d'efficacité, du côté des gauchères, là, Vakireva, Biznova, ça ne plaisante pas. Hein. 6 sur 6, regardez déjà pour Vakireva, 100% de réussite. Ouais, donc à 4 sur 4 à 7 mètres et plus 3 pour les Russes qui se détachent. Vraiment avec un formidable numéro pour l'instant depuis 6-7 minutes. Encore une variété défensive, regardez, les deux numéros 2 très montés, le numéro 3 sur le marquage sur le queue. Ça pose des problèmes. Ballon rendu. Oh là. On va rejouer à l'endroit de la faute, à l'endroit de la perte de balle. Ah, ça y est, s'énerve. Bon, tout va bien finalement. on en parlait, j'en ai parlé longuement cette semaine avec Olivier Krumbos, qu'on salue aussi, qui est devant son écran ce soir, avec son épouse Corinne. Voilà, on leur fait un petit coucou. Non, il me disait que Trefilov, il le connaît forcément très très bien. Et le progrès de l'équipe de Russie passe par le progrès de Trefilov dans son management, qui doit être un peu plus participatif, parce qu'on ne manie plus les joueuses de haut niveau maintenant, comme on le faisait il y a quelques années, à hurler dessus en permanence. Allez, il a posé son temps mort.
pour encadrer ses joueuses tranquillement. Страшно. Ну, попытайтесь, чтобы они на вас выскочили. А ты руку покажи. Дети, сейчас вы начинаете с этого. Вот, здесь сидебекен и калтен. Et visst press kanske ta ballen. Utan det vi trenger den tätheten så vi måste som på en. Un très beau geste technique d'Heidi Locke sur un contre un au but, prise de balle à une main. On a vu Grimsbo également qui avait fait une partie très intéressante pendant une vingtaine de minutes et qui est un peu plus discrète depuis quelques instants. Ben on a, c'est-à-dire qu'elle est discrète parce que les Russes ont trouvé de bonnes solutions sur des problèmes posés sur ce secteur central norvégien. On a trouvé des bonnes solutions de décalage. On va perdre le ballon. Ah oui, et en plus avec une joueuse de moins, elle récupère ce ballon. Importante cette récupération des Norvégiennes. Voilà, elles vont récupérer leur sixième joueuse de champ. Retour de Nora Mork au poste d'arrière droite. Sortie de Camilla RM, qui est remplacée par l'autre sœur Solberg. Christiansen en difficulté sur son débordement extérieur. Regardez la défense très agressive, ça joue dans les couloirs derrière. Avec Diakareva qu'on voit également très très haut, l'arrière droite. Le ramor, encore une passe magnifique. Le tir main gauche, mais le poteau, elle avait été accrochée. Non mais elle est prodigieuse, hein. Moi on la voit jouer tellement souvent en Ligue des Champions. Regardez la passe, regardez le tir. La passe aussi est, la passe est magnifique. Est exceptionnelle. Et on voit, on va laisser tirer le jet de 7 mètres par Nora Mork. Tranquille. Enfin, pour mettre fin à cette très mauvaise série. 3 sur 3 pour Nora Mork à 7 mètres. 13 à 11 en faveur de la Russie. Et on voit les Norvégiennes trouver des solutions. Les solutions les plus claires, les plus franches par ces deux joueuses, Nora Mork et Heidi Locke. Et c'est pas vraiment surprenant, Benjamin, quand on connaît le talent de ces deux joueuses. Allez, il reste 2 minutes encore dans ce premier acte. On retrouve Elina. Allez, la fermeture. Et Solberg, là, qui joue à l'aile, l'ailière gauche, qui joue en poste 2, à la place d'Oftedal, qui s'est retrouvé décalé à l'aile pour muscler un peu le secteur central défensif. Ah, c'était limite la fermeture de Solberg qui défend au poste 2. Mais elle défend sur Vakareva. Pas simple. Olina le matin. Oh, oh là là. Son pivot ensuite. Et nouveau au jet de 7 mètres une nouvelle fois. Mais quel talent Olina. Juste au moment où elle réceptionne le ballon, elle accélère tout de suite. Regardez ça, le 1 contre 1 pour prendre le dessus sur son adversaire. C'est Anasen qui vient trouver une solution de jet de 7 mètres. La concentration de Grimsbo. Il reste 1 minute à jouer. On va retrouver. Pour la 5e fois, Vyakereva est à 100% dans cet exercice. Impeccable et elle varie à merveille, hein, c'est parfait. Elle a un plan de tir incroyable. La leçon vraiment offerte, regardez avec ce Chabal assez puissant. Et plus 3, une nouvelle fois pour les Russes. 45 secondes encore, la dernière offensive pour les Norvégiennes. Ah oui, 5-3, vous le voyez, en duel des jets de 7 mètres en faveur des Russes. Oftedal encore en 1 contre 1, Nora Mork. Allez chercher le passe sauté, ce sera un 9 mètres, 30 secondes à jouer. Il y a des solutions parce que quand Locke sort comme ça en poste, on voit les deux numéros 3 l'accompagner, il y a une solution dans le couloir derrière. Il faut que les Norvégiennes jouent un peu plus en mouvement à l'intérieur, au bon moment. Mork, il reste 15 secondes, on retrouve Oftedal en 1 contre 1. Il y a toujours ce second rideau lorsque elle arrive à passer son bras. Derrière, il y a une joueuse en soutien. Elle a du mal à enchaîner sur le passage de bras, c'est surtout ça le problème. Allez, 5 secondes. Oh, la transversale, dommage, quel tir. La dernière offensive, non, on va en rester là. C'est terminé pour cette première période. Les Russes qui mènent de 3 buts, 14 à 11 après 10 dernières minutes. De très très bonne facture. Ah, vraiment une très très belle première mi-temps. En fait, Benjamin, un match qui tient complètement ses promesses. On voit du handball de très très haut niveau avec une équipe russe, Benjamin, qui est extrêmement séduisante, tant d'un point de vue collectif sur ses enchaînements, sur des qualités individuelles hors du commun.
Ouais, patiente cette équipe russe, on l'a vu d'abord un petit peu brouillonne, butée sur Grimsbo en attaque, puis ensuite on l'a vu vraiment un récital avec eh bien, notamment via Kereva, la conclusion qui est parfaite, Ilina qui distribue à merveille le jeu, en tout cas cette équipe russe, on en parlait, il fallait être méfiant, et sur la scène discussion avec la jeune Fokrand, qui va rentrer avec son numéro 7 à l'aile droite, née en 93, hein. Très très jeune joueuse. Allez, c'est reparti. Coup d'envoi de la deuxième période de ce Norvège-Russie. Pour l'instant, avantage de 3 longueurs. Aux Russes, 14 à 11. Les Norvégiennes qui ont clairement souffert dans les 10 dernières minutes avec un seul but inscrit. Doivent relever la tête. On retrouve bien Stine Oftedal avec Nora Mor tout de suite qui est passé. Quelle passe ensuite. On le regarde. Eh oui, eh oui. Que c'est beau. La solution, elle est bien trouvée dans ce premier temps parce que. Alors cette ambition tactique des Russes a monté très très haut, libère tout de suite des espaces dans la relation Mor-Kloke. Parce que Anasen et Makeva ne sont pas les plus agiles du monde, donc dès qu'il y a un petit peu d'espace, on peut trouver des solutions rapidement à l'intérieur. La Bisnova s'est fait bien arrêter par Oftedal. Et on retrouve également un copiant qui a fait une bonne entrée sur le poste d'arrière gauche. Ilina, elle est passée. Maîtrise technique. Nouveau jet de 7 mètres. Regardez la maîtrise technique. Hein. Débordement, on change de main pour jouer avec la main opposée. Et c'est déjà le 6e jet de 7 mètres concédé par les Norvégiennes. Et quand on connaît l'efficacité, le réalisme de Vyakireva, il y a de quoi s'inquiéter. Bah, c'est aussi un des points faibles. On va laisser le jet de 7 mètres se tirer. La défense centrale norvégienne, je vais la qualifier de relativement inexpérimentée. Ouais, et bien voilà, cette fois elle arrive à détourner ce tir Grimsbo. Ouais, très bel arrêt de Grimsbo. Oui, c'est sur cette première partie de défense, il y a des solutions à l'intérieur. C'est là-dessus que le club doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Regardez, traitement réservé à Nora Mork. Ouais, elle est passée, c'est bien joué, jette 7 mètres. Norvégien cette fois. C'est Christiansen, grâce à un très bon travail de Loke qui est parti en courant dans le dos de la défense, qui a embarqué tout le monde. Et Christiansen a fait la course à revers, regardez, pour trouver l'espace. C'est malin, astucieux de la part de Lady Loke, jette 7 mètres. On va retrouver Nora Mork à 3 sur 3 pour l'instant. Et 2 minutes en prime pour Kuznetsova, impeccable dans la lucarne. Parfait. Allez. Tout de suite, la Norvège qui affiche ses ambitions. Ce début de deuxième période, tout autre visage que la fin de la première période. Bah surtout qui répond très très bien tactiquement aux problèmes posés par la défense russe. Donc vraiment deux très très bonnes attaques qui sont soldées par deux réalisations pour l'équipe norvégienne. Et elles vont devoir évoluer pour encore 1 minute 30. Une joueuse de moins, les Russes. Mettre obtenu par Vyakireva. Toujours Vyakireva sur la base arrière. Hein. Celle qui a été punie, on l'a vu. Kuznetsova sur le banc. Vyakireva au poste de demi-centre. Attention, transmission. Bras levé. Logiquement. Allez, Vyakireva encore. Attention, une des dernières possibilités pour les Russes. Oh, quel shoot! Bliznova. Magnifique, ce tir coin long et Grimsbo ne peut rien faire. Ah, mais la réponse tout de suite. Elle trouve très vite des solutions, les Norvégiennes. Cochrane encore en engagement rapide, en engagement rapide. Décalé par Merck. Son premier but dans un mondial. La jeune joueuse de Ternest en Norvège. Kireva. Ah, le croisé. 9 mètres en faveur des Russes. Tenu par Bisnova. En tout cas, Trefilov, il se dérange pas beaucoup pour gérer ses deux gauchères. Hein. Il y en a une qui joue à l'aile et l'autre qui joue derrière. Et après, on inverse. Oh, encore, quel shoot, quel shoot. Ça recule du côté de Sine Oftedal là-bas.
sur son duel avec Vakireva. Aftodal avec Mork, la grande course de Laura Mork, défense en zone. Et 2 minutes, encore une fois pour les Russes, après Kuznetsova. Maki va peut-être sanctionner leur retard sur elle pousse dans le dos. Ouais, c'est Blisnova, non? Non, c'est Makeva. Ouais, quasiment coup sur coup, ces exclusions. Allez, retour de la gardienne du Lada, Eroknina. Face à l'impeccable Nora Mork. Oh. Ouais, premier échec. Ah oui, oh, la stupeur. Pour le public norvégien. Bah, elles ont raison de se prendre la tête à deux mains, les supportrices, parce que la Norvège, on le voit, est en supériorité numérique. Il y a une belle occasion de revenir à un but. Dmitrieva, Ilina sur la base arrière, ça peut être très chaud. Et Vakireva également, le croisé, Ilina avec son ailière. Vakireva, complètement excentré, pas évident. Regardez la maîtrise technique de ces joueuses qui jouent auprès, très très près des défenseurs et toujours la balle qui se libère. Et le bras est levé. Dmitrieva, Ilina, et la tentative de Vakireva. Grimsdon impeccable sur son premier poteau. Les Norvégiennes qui finalement exploitent bien cette supériorité numérique leur permet de rester à flot dans cette rencontre. Elles vont profiter en attaque, peut-être là, non, un nouvel arrêt encore. Quel duel remporté par Sedoikina face à Nora Mork. Ouais, c'est pas mal défendu de la part d'Anasen, hein, qui vient la gêner dans sa prise d'espace. N'oublions pas qu'elles sont une de moins, les Russes. Hein. Bonne gestion, l'écart ne bouge pas. Ilina. Regardez comment elles tiennent le ballon. Il n'y a pas d'espace à 5. Le tir d'Ilina en appui avec le rebond, ça aurait pu être gênant pour Grimsbo, qui était vigilante. La relance, elle est parfaite. Ah, parfaite cette relance. Et la jeune Skokrand a prise de balle à une main sur une passe de 30 mètres. Elle revient à l'intérieur malgré le retour des défenseurs. Ah, beaucoup de maîtrise, beaucoup beaucoup de maîtrise. Et finalement, plutôt une bonne gestion de cette supériorité, longue période de supériorité par les Norvégiennes. Retour de Makeva au poste de pivot. On laisse derrière les feux follets russes, Dmitrieva, Ilina. Ah, ça défend bien, ça défend en dur. C'est pour l'instant plus Blisnikova, rugueux quand on voit la première période. Blisnova n'a pas fait le voyage à vide. C'est le retour de Bobrovnikova au poste d'arrière gauche. La voici, Ilina. Elle est 7 mètres encore une fois. Elles attaquent très fort du côté d'Oftedal. C'est dommage parce que là elles étaient plutôt dans un temps fort défensif. Elle est battue, Stine Oftedal. Stine Oftedal, si elle ne prend pas un petit peu d'avance par rapport à son attaquant, elle va être en difficulté. Ah, il est impeccable. Fixation en bas. Et ce tir parfait, avait changé de tireuse. On parlait d'Oftedal, si elle n'est pas un petit peu en anticipation, elle rend quand même quelques kilos à Blisnova. Allez, c'est ce temps-là qu'il faut exploiter pour les Norvégiennes, cette première partie. Oh, le 1 contre 1, sublime! Voilà, parfait! Oh, le 1 contre 1, le Christiansen avec le passage de bras. Troisième but pour l'arrière gauche. Alors, vous voyez, Benjamin, c'est bien joli d'avoir une défense comme ça, tactiquement un peu haute. Il faut rester toujours en vigilance, toujours en attention. On est haut, mais on peut redescendre. Il faut bouger en permanence. Et là, elles sont un peu statiques, les Russes. Ouh. Ah, ouais, même si Grisbo, elle était sur la trajectoire. Borovnikova. Ah, ça va vite de chaque côté, l'engagement rapide avec Mork. Christiansen qui décale jusqu'à son ailière. Ouais, c'est bien fait. Ouais, RM, bien joué. C'est suffisamment rare pour le préciser. Elles ont réussi à trouver une bonne solution de décalage qui, pour la première fois du match, amène Camille et RM à une solution de tir. Et reste au contact. La Norvège, un but de retard, 38 minutes de jeu.
RM qui a signé à Oostbro, qui a Bayamaré la saison passée. Stolina. On va passer du tour vers l'extérieur. Voilà RM. Encore Grimsbo. Bien présente Grimsbo depuis l'entame de cette deuxième période. La montée de balle des Norvégiennes. Avec Mort qui est lancé. Une solution de décalage peut-être ou... Alors ce qui est intéressant, c'est que Mork, elle jaillit comme un diable du banc de touche où elle n'est pas, où elle est, pardon, parce qu'en défense, elle ne le défend pas. Et elle réaccélère le jeu pour aller trouver une solution là-bas sur RM. Ah, les Russes, elles marquent le pas un petit peu en attaque parce qu'elles sont essentiellement dans du duel. Alors une équipe comme la Norvège, on les prend un petit peu sur du duel, puis au bout d'un moment, elle s'adapte. Il faudrait que la Russie arrive à remettre un petit peu de jeu collectif, un peu de mouvement. Oh, l'interception peut-être. Ouais, c'est bien joué sur la ligne de passe. Ouais. C'est une faute qui est sifflée. À la limite, les Norvégiennes de perdre ce ballon. Oftedal. Elles sont en difficulté, les grandes. Vous avez vu sur Oftedal, un contre un à droite, un contre un à gauche. Et elle a des jambes de feu, cette joueuse. Elle entre en deuxième pivot. De Stockrand. Ah, bien joué. Tiens, de Nora Mork. Exemplaire. Exemplaire au niveau de la maîtrise du rythme. Vous avez vu Nora Mork, elle joue à l'arrêt. Elle joue à l'arrêt, elle s'arrête, elle fait rentrer son ailière, elle fait rentrer Kurtovic et elle réaccélère pour aller trouver une solution en endormant, en chloroformant la défense russe. Et la Norvège revient à hauteur, 20 minutes encore à jouer, 18 partout. Lina, le croisé, en deuxième pivot. Ça va un petit peu mieux parce qu'on a mis un peu de mouvement dans cette attaque russe et forcément, immédiatement, ça permet d'aérer un peu le jeu. Et on va s'appuyer sur deux pivots. Kuznetsova va rester. C'est brouillon là. Sur un champ, heureusement. Sur un appui, Boronikova, superbe. Ouais, deuxième but consécutif, plus un pour la Russie. Ah, c'est Tomac qui fait sa rentrée au poste de demi-centre, d'origine croate. Il n'y a pas de solution, attention à cette grosse défense. Un Ramor qui pris dans la tenaille. Il va aller fixer. Oh, le combat à l'intérieur. Quel arrêt, sublime. Seido Ikina. Le combat low queue avec les deux numéros 3 russes. Vraiment super, voilà Oftedal qu'on retrouve sur le banc de touche et c'est Tomac qu'on distingue facilement avec sa chevelure brune là-bas en poste 2 à côté de Camilla RM. Lina. Marie Molite très haute en défense. Ah, bon service, le poteau. Dommage, la montée de balle qui s'enchaîne pour les Norvégiennes. Tomac. Avec Tomac, ouais, qui peut décaler, c'est bien joué, oh, c'est bien la passe parfaite jusqu'à Skokrand. Ouais, très efficace depuis son entrée. Ouais, c'est très efficace et puis c'est bien joué tactiquement parce que sur cette montée de balle, on vient percuter sa cœur centrale. Donc naturellement, on regroupe la défense russe et les joueuses norvégiennes sont au point de corner. Là, c'est une droitière qui fait la passe pour une gauchère à l'aile et on trouve une très belle solution par Skokrand, la jeune Skokrand, c'est très bien joué. Elina. Rovnikova. Grimsbo encore. Impeccable sur son premier poteau. Ah, ah non. Tout gourmande sur cette relance directe. Attention au repli défensif. Oh, le 1 contre 1 encore. Elle est bien solide, Christiansen. Ouais, les Norvégiennes qui sont bien revenues dans la partie et qui s'accrochent avec leur vertu. Ce sont des joueuses qui ne renoncent jamais. Très très ambitieuses. Allez, le retour d'Akopian. Avec son numéro 10, le poste d'arrière gauche, Ilina, Liznova. Allez, 1 contre 1. Mais elles ont plus de solutions à l'intérieur, les Russes, avec le pivot. Hein. Elles sont en difficulté sur le poste de pivot. Parce que Silinska été, là, qui remplace Makeva, n'est pas non plus du premier choix. Kopion, Ilina. Ilina, poteau rentrant.
Ouais, quelle joueuse, vraiment. On le voit avec Rostov cette saison en Ligue des Champions. Quatre buts pour Ilina. Ouais, on voit l'erreur de Marie Molly, là, qui est plus trop à l'entraide. Ouais, la défense très très haute sur Nora Mork. Elle a essayé d'accélérer, elle a été chassée, Nora Mork. Par un copiant. Bon match. Janssen. Elles y sont, les Russes, elles y sont là. Ah, c'était lui, on a parlé de Nora Mork qui a été bousculé dans son extension. Pas facile à contenir cette joueuse avec un petit gabarit pour une joueuse de la base arrière. Dmitrieva et Luke ça ne présente pas derrière. Regardez là, le combat Dmitrieva-Luke, boum. Alors Luke glisse très adroitement sur sa droite en laissant traîner son bras derrière. Et c'est Viskate là qui prend 2 minutes. Ah, le décalage, c'est bien joué. Ouais, deuxième, ouais, parfait, hein. Deuxième, efficace. Deuxième solution pour RM sur le côté. Et la Norvège recolle, 20 partout. Ouais, la Norvège qui a une bonne occasion là encore sur cette phase de supériorité. Et on approche du dernier quart d'heure. 20 partout. Je vous rappelle qu'il y avait 3 longueurs d'avance pour la Russie, 14 à 11 à la mi-temps. Mais les Russes qui sont assez régulièrement sanctionnés, Dominique, de 2 minutes en deuxième période. Copian a arrêté. Bon, c'est une succession d'actions individuelles. Bon, elles tiennent le ballon, hein. Elles sont en infériorité numérique. C'est pas mal joué, hein. C'est contré. C'est contré, exactement. Ah oui, on s'encourage dans la défense norvégienne, la remise en jeu. Oula, oula, petit oula, oula. Petit tirage de maillot. Marie Molly, ouais, sur Dmitrieva. Regardez. Ouais, rien à dire, rien à dire. Elle va rejoindre le banc. Bon, c'est dans cette période de match là où on a beaucoup donné, on va manquer forcément un peu de lucidité parce que l'usure physique me se fait sentir. C'est là où effectivement les exclusions temporaires, les erreurs individuelles vont beaucoup peser. Et probablement que l'équipe qui en fera le moins a plus de chances de remporter la rencontre. La Copian. C'est encore une de moins pour en égalité numérique, pardon, plutôt. Ils vont récupérer leur sixième joueuse et les Russes dans 15 secondes. Ouais, c'est lui dans le secteur central. Ouais, ça manque un petit peu de lucidité là pour libérer les ballons. Ouais, c'est bien fermé. Décalage, oh, quel but. Dans un angle assez fermé. Ouais, c'est Chernovayenko qui est allé trouver cette solution. Chose un peu plus fraîche, hein. On a sorti Vakireva, pardon. Jeu du Vardar, plus sain pour les Russes qui tiennent. Et c'est à noter, les Russes ont un peu plus de possibilités de rotation sur certains postes. Allez, les Norvégiennes cette fois en attaque avec une infériorité numérique à gérer. Ouais, bien joué, elles ont trouvé une solution. Heureusement, c'est eux qui l'ont été vigilante sur sa ligne. La montée de balle, il y a une solution de décalage sur le côté droit. C'est bien arraché, mais Missile a été un petit peu gourmande. C'est Marenikova. Elle est allée s'arracher, il y avait une solution effectivement de décalage. On voit sa partenaire qui était seule, Chernovaninko. Il y aura un très bon jet de 7 mètres. C'est le 8e déjà pour les Russes. Oh, et l'échec! Deuxième arrêt sur 7 mètres pour Grimsbo, cette fois c'est face à Ekaterina Elina. On y est, Benjamin, vous savez, dans ce qu'on dit de manière un petit peu chronique chez les consultants et les journalistes, sur ces détails qui font toute la différence pour gagner les grandes rencontres.
mais Games Ball joue un grand rôle pour l'instant en deuxième période. À l'égalité numérique. Bork. Off the dalle. Ah, qui est revenu à souffler quelques minutes. Elle est un peu gourmande sur son débordement extérieur. Il y a une solution de décalage. Irem à l'intérieur. En deuxième pivot. Avec Guiloque qui se retourne. Ouais, 2 minutes. 2 minutes, elle demande aussi, j'ai de 7 mètres. Ouais, Bliznova. Elle s'accumule hein, vraiment ces exclusions pour les Russes en deuxième période. Mais il n'y aura pas de jeu de 7 mètres. Un simple jet franc. Off the dalle. Bon, voilà, la transmission est mauvaise et la perte de balle des Norvégiennes. Attention au repli défensif. Oh, c'est un petit peu trop long. Oh, quel dommage pour les Russes. C'était l'occasion de faire le break. Derrière, ça va très vite. Off the dalle. Oh, Mork qui aurait pu jouer côté droit. Ouais, il y avait Irem qui levait les bras là-bas. Non, mais Mork, elle sait que ces ballons-là, ils sont chauds. Il faut les jouer tranquillement. On est en supériorité numérique, on a beaucoup plus de chances de le placer maintenant tranquillement. Oh, bien joué le coup d'œil d'off the dalle. Oh, et l'échec. Ouais. Forcément. C'est pas bien tiré de la part de Kurtovic. Kurtovic, ouais. Ouais. Et les Russes qui gèrent bien leur infériorité numérique. Ina. Ah. Il a encore le croisé avec un copion. Ils ne sont pas du tout vers le but là. Enlevé. Le bras élevé logiquement. Grisbo. Vigilante sur ce tir en appui. Ouais, logique, logique. Et elle récupère le ballon. Ouais, les Russes étonnamment sur le reculoir sur cette attaque. On se pédale. Mort. Ouais, mort qui s'arrache bien, jette 7 mètres, oui. Elle a réclamé en prime une exclusion. Ah, les Russes qui ont un petit coup de mou là, on vient de le voir. Alors certes, elles jouent en infériorité numérique. Et les Norvégiens. Hein, de Kuznetsova ouais. En retard, elle arrache le maillot. Ça avait payé tout à l'heure l'entrée d'Erokina. Face à Nora Mork. Et du coup, on change de tireur, on va retrouver Molide. Marie Molide de Larvik. Oh, et bien une nouvelle fois le deuxième arrêt pour Erokina sur jet de 7 mètres. Je ne comprends pas le choix du tir de pour Marie Molide. C'est en club, c'est une bonne joueuse, mais bon, c'est pas elle qui porte Larvik sur les sommets. Très clairement, je ne comprends pas ce choix. Il y a beaucoup mieux à faire au niveau des jets de 7 mètres à mon avis. Alors certes, le match aujourd'hui n'est pas décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale. La copiant, Ilina. 10 minutes, on est rentré dans les 10 dernières minutes de ce match. On joue avec une droitière à droite, hein. C'est Dmitrieva qui joue à droite. Droitière. Oh, les 1 contre 1 en changeant de main, c'est extraordinaire. Oh, la réussite sur la récupération. Avec Grimsbo est battu. Ouais. Kuznetsova, elle a pris son temps en plus, elle a même le temps de placer un dribble. Regardez, sur la récupération, elle a le temps de placer un dribble. Parce que Kurtovic, après avoir raté son tir sur l'action précédente, avait tellement anticipé en défense que... Bon, c'est joli d'anticiper, mais c'est bien quand même de récupérer le ballon avant de repartir. Et les Russes refont le break, ça ne leur était plus arrivé depuis le début de deuxième période. Pour la réaction des Norvégiennes, pas de décalage pour Kurtovic. Ouais, grosse faute encore en 9 mètres simplement. Ouais, elle s'est jetée dans l'espace, Marie Molide, elle avait beaucoup de courage. Mais sans beaucoup de conviction pour aller au tir. Chercher une exclusion ou autre chose. Ortedal. Encore une bonne séquence défensive. Un mauvais bloc et ballon rendu aux Russes. C'est Loke qui a fait un mauvais bloc. Moi j'ai pas vu. Ouais, c'est Loke qui a été sanctionné. Ouais, que de mauvais choix, mauvaise séquence des Norvégiennes.
Non, c'est Biskova qui a fait son retour sur le poste de l'arrière droit. Le poteau, Grimsbo a détourné ce ballon. Oh, mais derrière. Ouais, derrière, ça ne suit pas et c'est Elina qui était parfaitement placée. L'enchaînement technique. Oh, regardez la grosse erreur. Ouais, grosse erreur, tout à fait. De lucidité totale. Mais quel geste technique de la part d'Elina. Débordement, changement de main, tir dans la foulée. C'est du grand art. Joueuse extrêmement douée techniquement. Oh là là, oh là, 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 quelle transmission. Que d'erreurs, que de gâchis pour l'instant de la part des Norvégiennes. Ouais, Rem vient mettre un temps fort sur l'aile alors que les numéros 2 sont très hauts. Voilà, c'est forcément un manque de lucidité. On l'a dit, Benjamin, l'usure physique fait aussi son travail. Et dans ce presque money time, la différence est en train de se faire. Ouais, vous le disiez, plus de banc, plus de rotation côté russe. Bien sûr. On l'a vu seulement Stedal souffler quelques minutes. Quelques rotations entre Molly et Christiansen, mais pour le reste, peu de rotations. Et elles n'ont pas de pivot parce que c'est Anasen qui est à l'intérieur. Là, il y aurait un vrai pivot. Ouais, c'est détourné. Et il reste 7 minutes à jouer. Ilina. Allez, temps mort. Ouais, c'est le deuxième temps mort de Trefilov. Det handler om å komme seg opp og få brukt litt i kryssa. Jeg synes vi har gått med, og så ringes og stikker på retur før vi har tatt retur fra keeper. Vi enige om det? For det den lille som skal... Vous me disiez, Benjamin, que Trefilov avait le sourire. Ben, c'est vrai. Il est extrêmement détendu, extrêmement calme. C'est vrai. Il a dû faire une petite cure de thalasso avant de venir au mondial, peut-être. C'est vrai. Ouais, ça paye, hein, ses consignes et ses temps morts sont précis. 7 minutes encore à jouer. Et la Russie a l'occasion de creuser l'écart. Mais Grimsbo est présente. Quel arrêt sublime. Elle a monté le bal avec Stilov Todal qui accélère. C'est bien fait. Ah, bien joué. Bien joué. Le soutien avec Christiansen. Ouais, et puis toujours ce système norvégien de venir percuter dans le secteur central pour élargir le jeu dans un deuxième temps. Là, Oftedal, les actions présentes, elle avait joué à l'opposé. Là, elle a joué avec Christiansen. C'est très très bien fait tactiquement. 4 sur 6 pour l'arrière gauche de Midtjylland. Ilina, encore un réflexe, pourtant c'était parti vite et fort de la part d'Ilina. Mais elles ont tiré deux fois beaucoup trop vite. Oh là là, elle a pu libérer son ballon, le décalage et le lob. Oh, c'est sublime, c'est parfait, elle est vraiment extrêmement précise et précieuse dans cette deuxième période, Camila RM. Et c'est les Russes qui perdent un petit peu les pédales par deux choix beaucoup trop rapides à Copion, puis Ilina qui tire beaucoup trop vite au bout de deux passes. Et derrière, punition immédiate, 22 pour la Norvège, 23 pour la Russie. On est dans le money time, Benjamin. On se régale pendant ce match. Ouais, vraiment, quel bras de fer. Un mano depuis l'entame de match. Vizlova. Avec Dmitrieva. Vizlova encore. Ouais, c'était compliqué. Ouais, ouais. Nouvelle perte de balle, attention. Très mauvaise séquence de la part des Russes. Bizarrement, juste après le temps mort de Trefilov. La libération, bon, peut-être ce sera un 9 mètres simplement. C'est pas facile ce qu'elle fait Oftedal parce qu'arriver très vite, sortir des ballons propres derrière. Regardez. Oh, bien joué. Ouais, c'est bien joué. On a joué vite et c'est bien fait de la part de Nora Mork hein, qui a vu bien qu'il y avait un surnombre côté gauche. Et bien ensuite, Stine Oftedal en a profité. Ah oui, ça change complètement tout, la donne change. Et la physionomie de cette fin de match, il y avait 3 buts d'avance pour les Russes. Et sur un 3-0, la Norvège est revenue à hauteur. Bah, elle manque de solutions, les Russes, là. Alors qu'on voit le retour de Vakireva sur la base arrière.
Kliéva. Ouais, ça se referme, le décalage était compliqué. Un changement d'aile. Le tir était trop compliqué. Ouais, une solution encore. Oh, la reste sublime de Grimsbo. Oh oui, jet 7 mètres. Oh, c'est 7 pas mètres. Payé. C'est les pas payé. Grimsbo depuis quelques minutes est infranchissable. Et 2 minutes. Aïe 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 aïe. 2 minutes pour Kurtovic. Bon, très clairement, les Russes n'ont pas de pilote dans ce mondial. On va le dire, c'est un peu cruel. Mais quel enchaînement d'actions. On a vu ce débordement au départ extérieur de Vakireva qui a fait une passe main droite. Changement d'aile. Et on est venu retrouver le pivot à l'intérieur. Vakireva à nouveau. Qui a déjà échoué une fois. 5 sur 6 à 7 mètres. Impeccable. Impeccable, toujours en variant. Bon coup. Et 6 sur 7. Donc vous le voyez. Pourcentage d'efficacité pour les, sur les jets de 7 mètres pour Vakireva. La Russie qui reprend une petite longueur d'avance. 4 minutes encore à jouer. Mais la Norvège est en infériorité. Hein. Pour encore un bon moment, 1 minute 30. Avec Christensen qui s'arrache, elle est repoussée au-delà des 9 mètres. Regardez la pression effectuée par Kuznetsova. Oftedal, Christiansen. Et Reb. Qui a vu se jeter dans les bras de Makeva. Ça a passé par Morf ou Loqueux, évidemment. Voilà. Oh, ça passe. C'était annoncé. Dans un coup de souris, mais que c'est et bien oui. Joué. Entre Morf et Loqueux. Regardez la joie sur le banc. Le bloc ensuite, ouais, qui fait la différence, le bloc de Nora Mork. Vous savez qu'ils faisaient cette combinaison-là pendant des années à Montpellier. Les frères Rantil ont fait ça pendant des années. Et ils ont marqué un paquet de buts, les deux frangins comme ça. Et là, Loqueux et Nora Mork sont venus débloquer les Norvégiennes qui jouent en infériorité numérique. Oh, le décalage est fait, oh, elle ne peut rien faire. Grimsbo, ouais. Important pour Chernobyl les Russes à 2 minutes 30 ouais. Du terme. Très précieuse, très efficace. Elle a un échec simplement. La joueuse du Vardar. Vraiment, quel premier match avec une issue indécise. C'est splendide. De balle. Kensen Mork. La défense russe, impeccable. 2 minutes et 15 secondes encore à jouer. Égalité numérique. Mork qui revient vers l'intérieur. Elle est mise au sol. Allez, on a vu la rentrée en bas de l'écran de Kurtovic. Oh, Oftedal s'est bien joué avec le décalage. Oh là peut-être là. Non, elle a hésité. Oh, et c'est bien fait. On s'en sort bien. Les Norvégiennes. Ma gauche, Loqueux. Ouais, ouais. Eh oui, l'ambidextre. Heidi Loqueux. Alors j'étais un peu hésitant parce que Kurtovic, il me semblait qu'elle avait une solution sur l'extérieur. Elle a décidé de revenir à l'intérieur et finalement elle trouve Loqueux. Tant mieux pour elle. Qui conclut sur un splendide tir avec sa mauvaise main à la main gauche, parce que je pense pas qu'elle soit ambidextre, Benjamin. Elle joue techniquement, mais on peut le considérer. Allez, ouais, elle est précise et efficace. Ouais, superbe avec son bras gauche. Allez, le temps mort, c'est le dernier temps mort de Evgeny Trefilov. Ты выходишь, Даша, ты вторым, на край выстанешь. Но иди за просьбу, обойти линейную. Линейную обойти. Он выпустит 7 человек сейчас. Внимательно. Там не торопитесь сейчас. Поднимет руку, тогда только бросок. Осталось минута. Om principerna, för att det kommer det samma. Det kommer bara ännu tuffare på. Husk att vi tar returer för vi sticker. Ah, quelle dextérité, quelle maîtrise de la part d'Eddy Loqueux avec cette finition main gauche. Quelle détermination dans le regard de Vakireva. Allez, on est reparti pour les 2 minutes 30 encore à jouer. Égalité parfaite, 25 partout. Vakireva avec Akopian, le croisé.
Le terrible qui est au sol. Oui, Anasen ne tient pas les positions à l'intérieur. Elles ne peuvent pas tourner autour du pivot. Ça pose un vrai problème. Ouais, j'ai 7 mètres. Heureusement. Ouais, c'est pas payé, j'ai envie de dire. Hein, parce que les Norvégiennes défendent bien. Il faut dire qu'Anasen leur facilite la tâche parce qu'elle ne coupe pas du tout le déplacement latéral de la défense. Finalement, c'est Loke, on ne peut pas lui en vouloir, qui se fait transpercer ça sur le débordement extérieur d'Acopian. On prend son temps, Yakireva. Oh, elle était pas loin Grimsbo, mais 7 sur 8 à 7 mètres pour Yakireva. Allez, la dernière minute pour revenir à hauteur. Un but d'avance pour les Russes, 26-25. Oftedal avec Nora Mork. Oftedal encore, quel travail encore. Et l'arrêt sublime de Sedoykina face à Nora Mork. C'est dommage parce qu'il y a eu un super travail du trio, un jeu en triangle entre Loke, Oftedal qui est venu prendre le bloc pour décaler Nora Mork, ouais, qui écarte les bras en disant voilà. Allez, 20 secondes. Allez, 20 secondes pour peut-être se mettre à l'abri. Elles vont aller au bout, aussi. Elles vont tenir le ballon. Oui, elle reste alignée à 6 mètres en défense, et norvégienne. 10 secondes désormais. Acopian qui résiste et qui tente sa chance. Allez, il reste 4 secondes à peine. Allez, chrono qui s'arrête. Oui, mais quel le temps mort de Torreira Gerson. Mais quelle discipline collective de la part des Russes. Vous voyez, parce que c'est une équipe de très haut niveau. On tient la balle au maximum du temps pour tenter de trouver une solution au lieu de tirer en deux passes qui pouvait donner une balle de contre-attaque pour la Norvège. Hvis de møter høyt, jeg tror vi må dra de opp, og så det en liten luring som lurer seg bak. Det du, vi møter opp, ser om de blir med oss. Des larmes, vraiment un match insoutenable et extrêmement disputé. Allez, 4 secondes, 3 même. 3 secondes, exactement. Allez, à partir d'une relance de Grimsbo. Allez, il faut tenter quelque chose et regarder, prise en strict, ouais, ça va être extrêmement dur. C'est compliqué, hein. C'est une passe et un tir. Ah ouais, mais oui, mais on va en rester là. Non, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Ah, il y aura un dernier. Ouais, elle se plaint du traitement de Ramorque et de ce tirage de maillot, mais c'était bien trop compliqué. Et c'était voué à l'échec, cette dernière offensive des Norvégiennes. Alors, petite minute de flottement. Il y aura un dernier. Ouais, ouais. Geoffrand à 25 mètres du but. Ouais, je ne sais pas si on a déjà vu un but. Distance aussi lointaine. J'en ai déjà vu un, mais il y a très très longtemps. C'était un joueur polonais qui jouait à Saint-Paul-sur-Mer. C'était bon dans les années très longtemps, il y a très longtemps. Mais c'est allez, ça passe au-dessus. C'est terminé, le succès de la Russie. Les protestations de Nora Mork et scène de liesse pour les Russes qui ont été plus régulières, plus consistantes sur l'ensemble du match et qui s'imposent pour leur entrée en lice dans cette compétition 26 à 25 face à la Norvège, championne d'Europe en titre. Ah, écoutez, Benjamin, on est rentré dans ce mondial vraiment par la grande porte avec un très très grand match de handball féminin, il faut le préciser, avec deux équipes finalement avec des qualités différentes mais qui ont fait un mano à mano, même si on a pensé à un moment donné que la Russie allait se décrocher, les Norvégiennes sont revenues et la Russie l'a emporté également par la profondeur de son banc, par la capacité à faire quelques rotations en plus parce que ça laissait un peu de lucidité aux joueuses et finalement c'est une victoire.